Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont abonnés et qui souhaiteraient s'abonner sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à activer la cloche qui est très intéressante pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et également de dérouler la description pour trouver des infos intéressantes. Et si mon contenu vous intéresse et vous plaît, bien évidemment, vous pouvez laisser un j'aime. Je vous en remercie pour votre soutien. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Merci à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous voilà un petit peu sur Uncharted. Je vous l'avais promis il y a quelques temps. On avait fait le premier épisode, rappelez-vous, et le quatrième. Après, je vous ai dit, plus tard, je vous ferai le reste. Et il y en a pas beaucoup qui m'ont cru. Ils m'ont dit, non, mais c'est bon, il a abandonné la série. Ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas voulu tout simplement reprendre. Non, je me suis laissé un petit peu le temps. Et je voulais trouver, en fait, justement, un petit créneau pour pouvoir le faire. Et là, ça tombe justement bien. Il n'y a pas forcément beaucoup de gens intéressants. Et je me suis dit, pourquoi pas faire le 2. Et après, on fera le 3. Voilà, commençons tout de suite par l'histoire du 2. Nouvelle partie, c'est parti, on va faire la campagne tranquillement. On va le mettre en mode normal. Nouvelle sauvegarde, je suis prêt. Je voulais justement trouver un petit peu le temps quoi. Mais me voilà dessus. Dès que j'ai quelque chose, je le fais. Ça commence bien, maintenant il faudrait qu'on fasse super attention. Attends, je vais essayer de passer de l'autre côté. Voilà. J'ai l'impression que ça va tomber ce truc. Ah, j'ai failli décéder là. Sincèrement, on n'est jamais à l'abri. Hein. Ok, on va se frayer un petit chemin ici. Allez Drake, à toi de faire du mieux que tu peux. Comme ça, ce qui sera vraiment génial en fait sur la chaîne, c'est que vous allez avoir les 4 volets complètement terminés avec une meilleure résolution. Parce que ça, c'est un jeu qui était sorti sur PlayStation 3 à l'époque. J'avais passé pas mal de temps, j'avais vraiment bien apprécié. Oi, 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 qu'est-ce que tu fais? Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Bon, maintenant, faut que je me balance. Mais comme ça, vous allez avoir les 4 volets. C'est ça qui va être super intéressant, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance, malheureusement, d'avoir tous les consoles sur toutes les exclusivités qui sortent. Et là, ça va vous donner la possibilité de suivre tranquillement l'épisode avec moi, quoi. Allez, je vais essayer de monter. Fais pas le foufou. Aïe, 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 aïe. C'est hyper tendu. Par contre, c'est beaucoup d'escalade hein, dans ces épisodes-là. Et la caméra, faut vraiment bien la maîtriser également. Tu vois, regarde, je commence déjà à faire des bêtises. Hein. Non, non, je taquine. Alors, comment je peux passer? Je regarde un peu parce que... Voilà. Le tue, on va le rattraper par là, c'est parfait. On est bientôt arrivé, les amis. Hein. Ouais, mais bon, ça commence bien les ennuis. Allez, faut que je me dépêche du mieux que je peux là. Ça va, c'est juste à côté. Je me positionne bien ici. Voilà, maintenant il faudra foncer.
Là, le pauvre, il est complètement blessé. Dépêche-toi, Body. Oh! Prépare-toi à sauter. Bien joué. Tu vas quand tu veux, tu peux. Tu me paies un coup, matelot? Harry Flynn? Hey! Mais qu'est-ce que tu fous ici? Je te cherchais, mon pote. Je dois me réjouir ou m'inquiéter? Peut-être un peu des deux. Viens là. J'ai un boulot pour nous. Ah oui? J'ai un client qui est prêt à débourser un gros paquet de fric si on obtient un certain objet pour lui. Ok, je t'écoute. Bon, ça, ça va pas te plaire. Ah non, t'es complètement dingue. Ouais, écoute, écoute-moi deux secondes. Flynn, tu sais bien que deux personnes se sont fait tuer en voulant sortir un et truc de là. Et qu'une autre a réussi. Tu parles. Je peux pas faire ça sans toi, Drake. T'es le seul à l'avoir fait. Et tu sais mieux que quiconque qu'il faut être deux pour ça. Non, non, non. Trois, en fait. Tiens, quand on parle du loup, on en voit les formes. Quoi? Chloé Fraser. Nate, Drake, Nathan. Drake. Salut, Harry. Chloé est l'un des meilleurs chauffeurs de la profession. Elle va prendre soin de nous. Tu m'étonnes. Bon, écoute. J'ai absolument tout prévu. On rentre par les égouts. Jusque-là, j'adore. Ça nous amène dans la cour. De là, on escalade le mur, on traverse par les toits et on descend dans le hall d'exposition. Facile, non? Et pourquoi est-ce qu'on ferait tout ça, tu vas me demander. Non, mais continue. Pour ça. Une lampe à pétrole. Ouais. Mais ça vaut rien. Je comprends pas. Nous non plus, c'est pour cette raison qu'on te cherchait. J'ai l'impression que vous bossez pour un barjo, un collectionneur qui ne sait pas quoi faire de son temps et de son argent. Et au fait, ça, ça vaut pas un rond. Mais c'est pas tout. Tu te souviens un peu de ton latin du 13e, mon pote? Où t'as trouvé ça? Je l'ai emprunté dans les fichiers du barjo. À Trébizonde, des voleurs nous ont attaqués. Père, Maffeo et moi, nous nous sommes fait dérober nos plus grands trésors. Ça a été écrit par Marco Polo. Mais là, tu ne nous apprends absolument rien. Malheureusement, le reste ne veut rien dire. Attends. Pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, j'ai caché mon grand chagrin dans l'endroit le plus inattendu. La lumière du grand Khan abrite le destin des 13. Qu'est-ce que je disais? Un vrai charabia. Là, il parle de la flotte perdue. Ouais. Oh, quelqu'un pourrait m'expliquer? Marco Polo quitte la Chine avec 600 passagers et 14 navires chargés du trésor de Kubilai Khan. Là, il arrive en Perse un an et demi plus tard. Il ne lui reste plus qu'un seul navire et 18 passagers. Ensuite, il a retranscrit tout son voyage, sans jamais mentionner ce qui était arrivé à ces navires. Et à leurs passagers. Alors donc, quelque part par là-bas, il y a 13 navires chargés du trésor de l'Empereur qui n'attendent que d'être retrouvés? Oui, et c'est ce que votre client recherche. Regarde cette lampe. Elle est couverte d'écritures mongoles. Elle devait être un des cadeaux de Kubilai Khan. La lumière du grand Khan abrite le destin des 13. Marco Polo a caché quelque chose dans cette lampe. Et ça, ça doit indiquer où se trouve la flotte perdue. Alors, on va envoyer ce type se faire voir, non? C'est clairement. Clair. T'es des nôtres? Je crois bien. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers? Vous avez vu qu'est-ce qu'il y avait là-bas ou pas? Je vais vous montrer. Regardez comment ils ont caché le truc.
Merci pour le trésor. Voilà le premier. C'est super bien fait quand même, hein. Même là, je trouve que la remasterisation, elle est vraiment bien... bien réalisée quand même, hein. Attention, on va se frayer un petit chemin. Pour l'instant, il peut pas courir parce qu'il faut qu'il se soigne. Allez, vas-y, Drake. Tu vas t'en sortir. Voilà un flingue. Ça, ça veut dire que ça va pas être forcément bon. Mais quelque chose d'autre à côté ou pas? Je vérifie. Ah. D'accord, c'est là que ça voulait dire. Nickel. Je vais essayer de passer par là-bas. Ok, on ramasse bien ce qu'on a besoin. Évidemment, il y a une chaîne. Bien sûr. Évidemment. J'espère que j'ai juste pas alerté les personnes à côté. Vu qu'on a tiré un coup de feu. Il est vivant. Ouais, d'accord. Je suis vraiment bizarre comme mec, hein. Je tire et je l'explose comme ça, moi. D'accord, drôle de perso quand même, hein. Je crois pas que là tu peux passer ici. Tu peux passer par là. Ça sent les zones du body, fais gaffe. Je passe par où là maintenant? Ils m'ont complètement perdu là. Là tu peux rien faire. Alors sur le côté. En fait il me bloque complètement la jouabilité. Attends. Tu te fous de moi ou quoi? Je l'avais bien dit que c'était par là. Mais attends. Attends. Il y a un petit souci ou c'est moi qui déconne encore? Ok, c'est comme ça qu'il veut qu'on s'en sort. Pas de souci. C'est vrai, j'ai oublié, c'est un jeu de Spider-Man, sérieux, parfois. Ouais, j'ai failli de laisser ma peau, là. Personne qui va sortir, j'espère. Voilà. Enfin. Eh, sérieux, hein? À chaque fois, j'ai toujours des petits soucis. Allez, relève-toi, Drake. Drake. Salut. Ah. Oh. Eh ben, tu parles d'un préliminaire. Ça te dérangerait de me dire ce qui se passe? Tu veux dire avec Flynn? Ouais, t'aurais pu me prévenir. Et je n'aurais même pas vu ta tête. Dis-moi, on ne peut pas dire que... tu as été facile à trouver? Je suis pas facile, comparé à d'autres. Oh, tu n'es pas jaloux. Faut pas oublier qui a plaqué qui, après tout. Tu n'as pas à être jaloux. Non, attends un peu. Si ça peut te rassurer, ma relation avec Flynn est purement professionnelle. Sans rire? Oui, enfin presque. Oh. Mais quand j'ai découvert qu'il était sur une piste sérieuse, j'ai pensé que ça t'intéresserait d'être de la partie. Alors, quel est le plan? Exactement ce qu'on a dit. On commet le vol, on trouve les bateaux et on se tire avec le trésor. Avec Flynn? Mm-hmm. Et ensuite? Ensuite, on partage en trois parts et toi et moi, on disparaît. Mais cette fois, on sera ensemble. Je vois. D'ici là, on lui dit pas pour nous deux. Ça, ça va pas lui plaire. Détends-toi. T'en fais pas pour lui. Fais-moi confiance.
Eh ben dis donc, c'est une vraie petite malinelle. Hein. Je pense que c'est mieux de passer par là. Voilà, on va passer à l'arrière du train. Et je pense que là, il faudra courir un peu quand même, non? Non, il peut pas courir. Pour l'instant, faut qu'il soigne vraiment, quoi. Tu penses le faire passer par où? Ah, j'ai trouvé la réponse, finalement. À la hauteur? Ça irait mieux si j'avais un flingue. Pas besoin de ça. C'est une assurance, c'est tout. Flynn, c'est juste des gardes de musée. Et on connaît déjà leur patrouille. Relax. Relax? Relax. T'as déjà entendu parler des prisons turques? S'ils nous chopent, je peux te jurer qu'on va finir au trou sans même un procès. J'espère que t'en as bien conscience. Bien plus que tu crois. Ouais, bah t'aimes peut-être les cachots, mais pas moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas le droit à l'erreur. Faut me croire. On y est. Par là. Qu'est-ce qu'on fait s'ils changent leur patrouille? On verra bien sur le coup. On peut pas se permettre de tâtonner. Je tâtonne pas, j'improvise. Ah, t'as pas ça comme ça? Ouais, je suis adaptable. Adaptable? Quelle arrogance. Voilà. J'avais pas raison. Ce passage devrait nous conduire juste en dessous du musée. T'avais raison, c'est vrai. Tu devrais apprendre à me faire confiance, mec. Ok, moi je vais passer par là. Allez. Bon, oublie pas, cette tour c'est notre sésame vers l'expo. Mais on pourra pas passer avec ces projecteurs allumés. Ça va le faire. Assure-toi bien de couper le courant avant qu'on arrive dans la deuxième cour. Je coupe les lumières. Je vous attends avec le van au point de rendez-vous. Mais vous, faites votre possible pour ramener vos fesses là-bas dans les temps. Bien sûr. Allez, assez parlé. Allons-y maintenant. Chloé. On se revoit de l'autre côté? Je t'y attendrai, Nate. T'es sûr de savoir où tu vas? Comme toujours, non? Petit malin, celui-là. T'aimes pas cette douce sensation visqueuse sur ton pantalon? Comme à la belle époque, hein? C'était quand déjà? Mais sérieux le truc, attends. Ah oui, ok, d'accord, tu veux jouer comme ça, y a pas de souci. J'ai compris un peu leur fonctionnement. Allez, derrière toi, Body. Attends. Ça va pas là. On n'est pas sur la bonne voie. Hey! Alors tu paries combien que ça va nous amener à la chaufferie? À partir de là, c'est bon. Lâche rien, Flynn, hein? Ok? Quoi? Lâche rien. Je l'ai pas. Allez, file-moi un coup de main. Et voilà.
Merci. De rien, je t'en prie, frangin. J'ai l'impression que c'est mon frère, lui. Il ne tente rien à rien. Ok, nous sommes bientôt à la surface, là. C'est bien parti. Ok, ça c'est cool. Je vérifie un petit peu les trucs. Trésor, tu vois. Une petite médaille bien sympa. Les objets, on les examinera un peu plus tard. Hein. Après, c'est pas forcément ma priorité. C'est de vous faire découvrir un peu l'histoire. Ok. Alors là, on est là. Faut passer par là, à mon avis. Attends, par où tu passes, là, Body? Bonne question. Ok, juste là. Je crois que j'aurais besoin du frangin. Même pas. Grimpe là-haut et récupère le chien. Très bien. Ça fait une belle action là quand même. Ouais. Tiens, je te l'ai descendu. Merci, merci. Très bien. C'est le chemin pour la cour. Bon, on va pas par là. Pas si tu tiens à garder ta peau. Très bien. Il doit bien y avoir une vanne quelque part par là. Regarde si tu trouves quelque chose. Voilà, c'est fermé bientôt. C'est bon. Merci. On y va. Ok. Ouais, ça s'est fait naturellement, j'ai eu de la chance. On a eu chaud là quand même, hein. Le garde était okay. Assez malin. On devrait trouver une porte dans le coin. C'est notre point d'accès. Une fois de l'autre côté, on suit notre plan. Pigé ? Dis-moi que t'as pas loupé ça. Je suis là, non ? Par contre, le jeu est très sombre. Hein. Attends, je crois que je vais l'éclairer un peu, parce que là... Je trouve qu'il est quand même assez... voilà, tu vois, l'humidité, on va la mettre un peu plus quand même, parce que... Voilà, c'est un peu plus joli, non? Bah, vous me direz après dans les commentaires si vous voyez une différence. Alors là, je vais passer par là. J'ai repéré un trésor derrière, je suis dégoûté. Ah, c'est fermé. J'ai bien fait de m'équiper. Je ne fais pas que me gratter le nez, mon ami. Attention! Il y a une alarme. Il n'y en avait pas la dernière fois. Oh, génial. Et maintenant? Bon, je peux la désactiver si on trouve la boîte de raccordement. Ça doit être quelque part par là. Voilà, je m'en doutais, le trésor était là. Alors, la boîte de raccordement, je vérifie bien. Quel menu en fait. Ok, un peu derrière. Ils sont assez marrants quand même. Attends, je vérifie. Je pense pas qu'il peut monter. Hein. Attends. Non, non plus, tu peux pas. Ouais, parce que pour moi, la boîte de raccordement, tu vois, elle est là. Quelque part ici, mais j'ai pas accès après. Si ? Indice. Faut suivre le conduit. Non, tu crois vraiment ? Sauf qu'au bout d'un moment. C'est bon, j'ai compris, c'est par là. Même pas. Ah, il est là. Voilà, elle est juste là, la boîte. Ça devrait marcher comme ça. C'est bon, on y est. Bien joué. Merde. C'est bon. Ok, donc je vais me mettre ici.
Le mec le plus con du monde. Le mec le plus bête du monde, c'est moi. Ok. Voilà la tour. Ouais, mais on peut y accéder qu'à partir du toit. Et on ne peut pas atteindre le toit d'ici. On va devoir traverser la prochaine cour. Passons par la porte là-bas. Je crois que j'avais repéré un trésor il y a, il y a quelques instants. Attends, le trésor. Il y avait un truc qui brillait tout à l'heure. C'était pas vraiment là. Attends, je vérifie. Hein. Non, c'était pas loin. C'était pas trop ça. Ok, le garde, il est ici. J'avais pas fait attention. Ouais, ok, ok, j'ai compris, j'ai compris. Mais relâche. Des fois, c'est chiant, ce truc-là. Voilà, merci. Dors bien. Il faut qu'on atteigne ce balcon. On peut grimper sur la porte là-bas. Ça y est. Vas-y, petit monte sur la porte en question. Donc chacun va prendre un garde, c'est ça? Je m'occupe de l'autre. Voilà, comme ça c'est fait. Y'a quoi là? Tiens, 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 ils ont ramené des renforts là. Vas-y, t'as bu ou quoi? Bonne nuit. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Alors, faut que je vérifie s'il n'y a pas des gardes à côté. Tiens, 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 ils étaient un peu plus bas quand même. Je vérifie parce que peut-être que des fois tu peux te frayer un petit chemin. Ok. Je peux pas lui sauter dessus? Non, je vais voir. Dormir. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok. On devrait pouvoir soulever ce truc et passer dessous. Wow. Wow. Pas si vite. Il y a une autre alarme. Super. Tu t'en occupes? Attends ici. Voilà, là on va désactiver un peu l'alarme en question. Alors, c'est de l'autre côté, à première vue. Encore un petit effort, et tu y es presque. Non, faut que je monte un peu plus, j'ai l'impression. Voilà, c'est fait. Sympa. Mais dans le prochain épisode, je vous dis à tout à l'heure les amis. Prenez soin de vous. Allez, gros bisous à tous.